Un biopic plutôt passionnant, mais il manque quelque chose pour susciter l'émotion. Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Mary Shelley, réalisé par Haïfa Al-Mansour. My choice has made me who I am, and I regret nothing. Le film retrace les moments importants de la jeunesse de Mary Shelley, sa relation passionnée mais scandaleuse avec le poète Percy Shelley, ses problèmes personnels et de santé qui la conduiront à la perte de son premier enfant, tous ces événements qui la feront marquer la culture populaire avec l'idée en 1816 d'écrire l'histoire de ce qui deviendra l'une des plus grandes œuvres de la littérature fantastique, Frankenstein. Une femme qui devra se battre pour vendre son œuvre et prouver que c'est bien elle qui a écrit le livre, car bloquée dans une époque où la société ne donne pas de place aux femmes dans la littérature. Premier film en langue étrangère de la réalisatrice Haïfa Al-Mansour après l'excellent Wadja, elle avait vraiment envie de raconter l'histoire de cet écrivain, car comme elle, elle avait dû se battre dans son pays en tant qu'artiste pour se faire entendre, l'Arabie Saoudite étant un pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. C'est un film où on suit une femme qui se bat contre le carcan social dans lequel elle était enfermée, ce qui fait que 200 ans après, le propos est toujours d'actualité. Sans tomber dans le féminisme pur, la réalisatrice décide de développer les enjeux et de les lier à travers une thématique et un symbolisme sur la condition de la femme. Cela se voit dans la relation entre Percy et Mary, avec des trahisons et un comportement assez cruel envers chacun. Percy représentant le docteur Frankenstein et Mary la créature car remplie de désespoir, ne supportant plus la vie que Percy lui avait vendue comme un conte de fées, mais qui hélas ne sera pas le cas, décide d'utiliser l'écriture pour s'extirper de ce monde qui la dégoûte. On peut aussi la mettre en parallèle avec la créature pour la naissance car elle se considère mise au monde pour être abandonnée. En effet, sa mère étant morte quelques jours après sa naissance, le docteur Frankenstein rejette la créature qui se sent donc abandonnée par son père. Malgré tout, le film a de nombreux défauts, notamment son casting, en particulier Elle Fanning. C'est une actrice avec qui j'ai toujours eu du mal par son jeu, en particulier dans The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, où des gens critiquaient à peu près la même chose pour Ryan Gosling, que ce soit dans Drive ou Only God Forgive. Je trouve que par son jeu et par son regard, Ryan Gosling arrive à me procurer des émotions, ce que Elle Fanning n'arrive pas à me donner. Surtout qu'en plus, le reste du casting ont tous des têtes de beaux gosses, t'as l'impression qu'ils viennent de sortir d'une sitcom. Celui qui s'en sort bien, c'est Ben Hardy qui joue le personnage de John Polidori, qui est connu pour avoir écrit le roman Le Vampire en 1819, si je me souviens bien. Et qui, pareil, comme Mary Shelley, a dû se battre pour prouver que l'œuvre était bien lui, parce que je crois que c'était Lord Byron qui avait récupéré le texte et du coup qui avait dit à tout le monde non, c'est moi qui ai écrit le roman, alors que c'était pas lui. Ce qui fait que c'est un personnage auquel on s'attache aussi parce que c'est quelqu'un qui a une vision et qui a voulu s'imposer pour dire que non, l'œuvre vient bien de moi. Et pas de Lord Byron. On notera aussi la présence de Maisie Williams de Game of Thrones, que tu vois 5-10 minutes, mais qui sert à rien. C'est toujours plaisir de la voir, mais son personnage ne sert pas à grand chose. Al-Mansour maîtrise parfaitement son biopic et son sujet, mais on aurait aimé un peu plus d'audace dans la mise en scène pour transcender le genre. Le travail sur le surnaturel qui s'infiltre dans le réel est excellent et annonce les prémices de la conception de Frankenstein. Je pense en particulier à la scène où t'as Mary et Percy qui sont un spectacle, où tu vois un mec qui utilise la foudre pour faire bouger les membres d'une grenouille. Le docteur Frankenstein utilisant la foudre pour réanimer le corps inanimé de la créature. Ou encore quand ils sont à Genève dans la demeure de Lord Byron, pendant quelques jours ils peuvent pas sortir parce qu'il y a un gros orage dehors. Ben les interactions entre les personnages te met un petit peu mal à l'aise sur leur façon de se parler, ce qui rend l'ambiance un peu glauque. Et aussi une scène de cauchemar plutôt bien faite où en fait tu vois Mary qui est en train de dormir et derrière, en arrière-plan donc, tu vois le scientifique qui est en train de créer la créature et en fait tu vois ce qu'elle est en train de rêver. Ça c'est plutôt bien fait comme mise en scène. Mais à part ça, il n'y a pas de prix artistique de fou non plus. Je veux dire, ce que je viens de citer, ben, c'est 2-3 petits moments plutôt intéressants, mais sur un film de 2 heures, ben, c'est pas beaucoup. On passera aussi sur la musique qui est vite redondante, avec ses violons là pendant 30 minutes, ça devient vite chiant à force. Avec les thèmes abordés et une très belle reconstitution de l'époque, la réalisatrice arrive à montrer qu'elle peut s'adapter au mode de production cinématographique en Occident, au détriment de l'émotion et de la poésie, mais qui arrive malgré tout à faire passer son message. Mais on se retrouve avec une réalisation bien trop académique avec des plans qui peinent à donner de l'ampleur au récit. L'histoire tombe vite à plat et le seul moment qu'on attend c'est le dernier arc quand elle commence à écrire le roman et à se battre pour ses droits pour le publier. En conclusion, malgré ses défauts, Mary Shelley reste une œuvre fascinante dans son propos mais limitée dans sa forme, mais que je conseille quand même aux fans de fantastique pour se rappeler les bases et les fondamentaux de ce genre, pour se rendre compte de l'évolution conceptuelle et méthodologique de l'œuvre de Mary Shelley. Et de voir à travers les âges comment le roman a été retranscrit pour le public à travers les pièces de théâtre et surtout les adaptations cinématographiques. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao !